Mpox, le danger est permanent en République démocratique du Congo. Les premiers symptômes sont la fièvre, les douleurs musculaires, une fatigue générale, puis une éruption cutanée étendue à Paris. Un appel pressant à la vigilance est adressé à la population qui doit observer strictement des mesures barrières pour éviter la propagation. Dans ce journal, la genèse de cette maladie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition dès la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Comme je venais de le dire, le gouvernement de la République a mis les bouchées doubles pour la prise en charge de malades atteints de la variole du singe appelée Mpox. La population n'a plus à s'alarmer. Le docteur Gabriel Ntsakala, spécialiste en santé publique, nous plonge dans la genèse de cette maladie. Suivez. Des origines lointaines pour cette maladie, la variole du singe. Une maladie virale qui se transmet entre les animaux et les hommes, et aussi entre les hommes eux-mêmes. Plusieurs foyers se sont déclarés à travers le monde et la République démocratique du Congo. Depuis 1958, on a isolé chez certains singes au Danemark un virus qui était apparenté au virus de la variole humaine. Mais sa spécificité, c'est que ça attaquait beaucoup plus les singes. Mais c'est après qu'on s'est rendu compte que ce virus pouvait aussi provoquer une maladie qui passerait des animaux vers les humains. Ici en RDC, c'est depuis 1970. Donc ça fait 54 ans que cette maladie a été découverte au niveau de la province de l'Équateur. Des mesures de contingence ont été prises en guise de riposte contre cette maladie. Les vaccins sera aussi un élément très important pour pouvoir contenir l'épidémie parce que ces vaccins ont déjà prouvé ses preuves de l'autre côté de l'Occident. Mais je précise que ce n'est pas un vaccin qu'on a fait pour l'Afrique. Ce n'est pas un vaccin qu'on fait pour la RDC. Ces vaccins-là ont été déjà faits pour l'épidémie qui était en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Et d'ailleurs, nous sommes en train de négocier ces vaccins pour que ça puisse aider à réduire la transmission. La population n'a pas à s'alarmer. Nous ne devons pas avoir peur. Il ne faut pas céder à une panique. Nous ne sommes pas en face d'une nouvelle maladie. C'est une maladie que nous connaissons et les équipes travaillent déjà depuis des années dans les zones où il y a endémicité, où cette épidémie est retrouvée de manière permanente. Et nous avons, nous RDC, la chance d'avoir déjà un arsenal de lutte contre les épidémies. Il y a des personnes formées, il y a du matériel et il y a des équipements nécessaires et des laboratoires pour pouvoir faire face à ce genre d'épidémie. Le gouvernement de la République a mis les bouchées doubles pour juguler et même stopper la propagation de cette maladie. En santé, toujours, un webinaire a été organisé par le réseau de médias africains pour la promotion de la santé et l'environnement pour démontrer la contribution des femmes dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Les détails dans ce reportage de Constance Mananga. Women Initiative Neglected WIN, cette organisation sociale à but non lucratif pour des solutions innovatrices et efficaces dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, met la femme au centre de la communauté afin de contribuer à réduire la souffrance liée au MTN par celle-ci. Comme l'a souligné le professeur Épée Emilienne, président de WIN, qui intervenait lors d'un webinaire organisé par les réseaux des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, Remaxen, sous le thème « La contribution de la WIN dans la lutte contre les maladies tropicales négligées en Afrique ». Cette initiative est née il y a 4 mois, soit le 7 avril 2024 dernier, a compris que les défis de la communauté sont nombreux et que l'État seul ne saura relever, d'où il faut une conjugaison d'efforts, gouvernement, société civile ainsi que partenaires, afin de booster la riposte contre ces maux qui entravent l'émergence de la communauté. Ces maladies infectieuses qui touchent principalement les populations résidant dans des zones démunies en infrastructure sanitaire constitue un enjeu de santé publique majeur, trop souvent relégué au second plan, d'où l'initiative de WIN avec cet objectif ambitieux d'éradiquer les MTN d'ici 2030. Le professeur Emilienne a cependant
rappeler que l'Union fait la force, d'où cet appel à une mobilisation collective pour construire un avenir où la santé est un droit accessible à tous sans distinction. La tuberculose, cette maladie qui reste encore méconnue par la population dans le cadre de la clôture des activités marquant la journée nationale de la lutte contre cette maladie, une marche de sensibilisation a été organisée pour démontrer la dangerosité de cette tuberculose avec comme slogan « Oui, nous pouvons vaincre la tuberculose ». Le détail dans son reportage de Rodé Panda. Cette marche de santé organisée par la coordination provinciale de la lutte contre de Kinshasa vient appuyer la clôture en beauté de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose célébrée au niveau provincial de la ville-province Kinshasa. Une seule idée pour une seule détermination qui a animé tous les marcheurs suivant les thèmes de cette année, à savoir « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». Et les marcheurs quinois sont allés plus loin pour dire « Nous pouvons vaincre la tuberculose en RDC ». Chef de file de cette activité de mise en forme et de sensibilisation sur la tuberculose, le numéro 1 dans la lutte contre la tuberculose, le docteur Papi Pouloulou, coordonnateur provincial, rappelle l'importance. Il faut dire qu'un village Tibi et une conférence scientifique ont accompagné cette journée organisée par la coordination présentée la dangerosité de la tuberculose à cause de la négligence, pourtant simple à guérir dès l'entame de la prise en charge précoce et gratuite. Les promoteurs du CIDE, qui est une plateforme de jeunes qui vulgarise le bourse d'études pour différentes formations, a tenu une conférence débat à Kinshasa. Pour Dr Michel Mouvoudi, cette occasion était propice pour que le jeune s'approprie des opportunités qu'offre cette plateforme, nous dit Séverine Katanda. Pour évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des interventions clés des programmes du gouvernement, une délégation de l'unité de gestion de programmes de développement des systèmes de santé s'est rendue dans le sud Kivu. Il s'agit des suivis des activités du programme multisectoriel de nutrition et santé dans la province qui comprend la nutrition, planification familiale et achat stratégique, la gratuité de la maternité et la réhabilitation profonde des 60 établissements de soins de santé dont le lancement était fait par le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique, hygiène et prévention. Une occasion pour le docteur Dominique Babot, coordonnateur de l'UGPDSS, de remettre aux autorités de la province des infrastructures sanitaires totalement réhabilitées. Bien évidemment, vous le savez, c'est un projet du gouvernement et si nous venons à la limite, c'est aux autorités provinciales de nous dire ce qui se passe parce que c'est eux qui assurent la continuité et le suivi des travaux, de toutes les interventions. Satisfait, le ministre provincial de la Santé, Dr Théophile Waloukika, a remercié le chef de l'État pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Nous sommes très contents parce que ça va résoudre les problèmes de la prise en charge du couple mère-enfant. Et vous savez toujours les objectifs des chefs de l'État de protéger la population congolaise en soins de santé. Et pour ça, nous remercions la Banque mondiale pour l'appui au gouvernement à travers les projets programmes multisectoriels nutrition santé. Le programme multisectoriel de nutrition et santé est un programme du gouvernement financé par la Banque mondiale à travers l'UGPDSS qui vise à améliorer durablement l'accès et la qualité de services de santé dans la province. Au chapitre de la sécurité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a lancé les travaux d'actualisation du plan d'action quinquennal pour la réforme de la police nationale congolaise. Cette mise à jour va permettre à la PNC de faire face aux multiples défis qui l'attendent et bien accomplir sa mission, celle de sécuriser les personnes et leur bien. Bobo Mokonzi. Une police professionnelle capable de garantir la sécurité des personnes et de leur bien passe par des réformes courageuses. Le projet de loi de programmation de la réforme de la police nationale congolaise est la véritable boussole qui, au cours de l'atelier des séjours, va recevoir les avis de toutes les parties prenantes. Axé sur le renforcement des cadres institutionnels, le professionnalisme et la redevabilité, cette loi va permettre d'améliorer la gouvernance et la stabilité pour une police efficace et républicaine, encline au respect des droits de l'homme. L'amélioration du cadre juridique des forces de police et de sécurité
tient à cœur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Harry Lévy, le vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, avant de lancer les travaux. J'exhorte donc toutes les parties prenantes à travailler comme d'habitude en synergie pour qu'à l'issue de cet atelier, nous ayons un projet de loi de programmation consensuel, finalisé grâce à l'intégration d'amendements pertinents, que nous nous engageons à porter au sein du gouvernement de la République pour adoption, au sein de l'Assemblée nationale pour être voté, et auprès du président de la République pour promulgation. C'est ainsi que nous croyons pouvoir donner à la réforme de la police nationale congolaise les moyens nécessaires à son avancement pour le bien de la population congolaise qu'elle est appelée à sécuriser. Faisons d'une pierre deux coups et dans le souci d'assurer la mobilité de nos troupes pour les rendre davantage efficaces sur terrain. Le coordonnateur du comité de suivi de la réforme de la police a réceptionné aux mains du patron de la sécurité nationale et le important des véhicules qui sera redistribué aux unités. Dans le cadre de la viabilité de centres de formation professionnelle, la ministre de la formation professionnelle a visité différents centres de formation histoire de donner le temps sur sa mission de redresser ces secteurs en République démocratique du Congo. Yvette Makuntima. 4 centres de formation professionnelle au total en une journée. Le ministre de la formation professionnelle, Marc Kilali Kombo, était sur le terrain. Première étape, le centre Lutondo qui offre des formations gratuites dès 6 mois en informatique, coupe et couture, peinture, esthétique et apprentissage des langues étrangères, mais qui depuis ses 2 ans d'existence ne participe pas à l'examen national de fin d'études professionnelles et sanctionne ses formations par un certificat sans passer par le ministère. Juste après, le ministre de la formation professionnelle a pris la direction de l'atelier Papa Komanda dans la commune d'Enjili, qui prône l'approche « Learning by Doing » des 12 mois en menuiserie, ébénisterie, garnissage, pansage et peinture, avant de se rendre juste à côté du centre Tungila, un centre de transformation et conservation de produits naturels. Pour atteindre les derniers centres, le ministre a dû embarquer par voie fluviale, les passages routiers étant fermés par l'entreprise privée Congo Futur. Il s'agit de Charlotte College, un nouveau centre qui va former les apprenants à la conduite, la fabrication et la réparation des jet ski, de motos nautiques et de voitures fluviales dont la pratique se fera sur les eaux du fleuve Congo. Ces visites permettront de remettre de l'ordre dans les secteurs de la formation professionnelle dont les résultats en termes de création d'emplois sont attendus par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le grand chef Kamuna Sampou souhaite une assistance sociale pour les nombreuses victimes du conflit qui a endeuillé l'espace Kasaï entre 2016 et 2017. Il a été voir la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Edith Chala pour le détail. L'épisode Kamuna Sampou est loin derrière nous, mais les stigmates sont vivaces et la réparation s'impose. Le grand chef Kamuna Sampou est dans la démarche pour qu'enfin le gouvernement de la République apporte une assistance humanitaire aux victimes. Auprès de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, le grand chef Kamuna Sampou a reçu les assurances et la garantie que la ministre fera tout ce qui est à son pouvoir pour que ces victimes rentrent dans leurs droits. D'abord, c'était une prise de contact et puis présenter mes civilités. Puis on a beaucoup parlé plus de ce qu'on a oublié chez nous. Donc, comme il y a toujours le suivi de l'État, je suis venu pour voir. C'était vraiment très aimable avec moi. Et c'est qu'il m'a promis qu'elle va venir au Kasaï. Qu'elle sera même à Kamuna Sampou. C'est ce qui est important pour moi. Au moment de ces conflits, les violences n'avaient rien épargné. Les infrastructures de base ont été rasées, beaucoup d'habitations brûlées et des pertes en vies humaines enregistrées. Aujourd'hui, le grand chef ne réclame que justice.
À quelques jours du début des Jeux paralympiques de Paris 2024, soit du 28 août au 9 au septembre prochain, le ministre de Sport et sa collègue de personnes vivant avec handicap et les membres du comité paralympique du Congo ont tenu une réunion préparative pour apprêter les athlètes congolais, nous dit Chimène Dondo. C'est un véritable moment de communion et de fraternité entre la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tshilakamba, et les épouses des policiers du Kasaï Oriental. Le numéro 2 de la territoriale du pays a tenu à rencontrer ces braves femmes pour leur transmettre le message d'encouragement du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans oublier les soutiens du gouvernement souminois à leurs époux qui se battent jour et nuit pour le rétablissement de l'ordre public pendant cette période où le pays est agressé par le Rwanda. Un moment inédit qui a vu les épouses des policiers représentées par leur comité réitérer leurs prières et vœux au chef de l'État. Nous sommes très contentes d'avoir été considérées par notre maman, la vice-ministre de l'Intérieur. C'est une première pour nous d'être invités sur une table avec une ministre. Nos prières vont à l'endroit du chef de l'État en cette période où le pays est agressé. Cette guerre nous coûte énormément. Zambe abate la maman ministre, Zambe abate la président Nabiso, Tosengi Zambe a accompagné Bango pour Namboka Nabiso et Zouakime pour Makambonyaso Ekende Namalam. Les épouses des policiers ont eu de mots justes pour remercier la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, pour cette considération à leur personne. Vous venez là de suivre les échanges entre la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, et les épouses de policiers dans la province du Kasaï Oriental. L'hôpital général de Mouya, dans la province du Kasaï Oriental, fait peau neuve. Le gouvernement de la République, par les billets du ministère de la Santé, a envoyé un lot important de matériels et médicaments pour équiper cette institution hospitalière afin de permettre à la population de ce coin du pays de bien se faire soigner. Chimène Dondo. L'hôpital général de référence de la Mouya, récemment modernisé, vient de franchir une autre étape de son histoire. Très grande joie quand je vois déjà un premier lot de matériel qui vient d'être déposé ici. Ce premier lot contient principalement les lits pour les malades. Il y a des tables de consultation pour les différents cabinets de consultation des médecins. Il y a également les tables opératoires pour le service des gynéco-obstétriques, donc pour la maternité. Mes premiers remerciements vont d'abord au premier citoyen de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi, et également aussi à son Excellence Monsieur le ministre de la Santé et à tous les conseillers qui ont tout fait jour et nuit pour que ce matériel puisse arriver jusqu'ici chez nous. C'est Narcisse Bintou, chargé des missions du ministre national de la Santé, Roger Kamba, qui a, au nom du ministre, remis ces matériels à cette structure sanitaire. Le ministre docteur Roger Kamba est vraiment déterminé. Il est déterminé pour que l'hôpital fonctionne correctement. Je peux remercier une seule personne maintenant là, c'est le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, d'avoir fait un bon choix. Il nous a donné un ministre de la Santé qui a les soucis de la population. L'hôpital général des références de la Mouya a été récemment modernisé dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre les inégalités sociales. Et puis cet appel à la cohésion nationale derrière les institutions du pays, c'est le message du sénateur Jean Tshisekedi à la population du Kasaï. Suivez. La ville de Kananga s'est transformée en un centre de paix et de l'unité nationale. L'ordre du jour, c'est le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. Cet élu des élus a reçu un accueil chaleureux de la part de son parti politique UDPS, sa famille politique Union Sacrée, ainsi que la notabilité nationale. Parcourant les acteurs du centre-ville jusqu'au siège du parti présidentiel pour son meeting, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a appelé la population du Kasaï central à s'aligner derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour notamment vaincre l'ennemi de la partie orientale du pays. Outre les questions liées au développement de la province nécessitent un bloc commun entre les filles et fils de cette partie du territoire national.
Je suis venu pour trouver solution à quelques problèmes majeurs de la population, et cela ensemble avec le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou-Konko, à qui je vous demande de l'applaudir massivement. Nous devons le soutenir pour le développement de notre province. C'est un véritable moment de communion et de fraternité entre Jean Tshisekedi Kabasele et sa base venue en milieu. Suivons à présent la réunion préparatoire de Paralympique 2024 à Paris entre le ministre de Sport et son collègue de personnes vivant avec handicap. Suivez. Le monde sportif congolais se mobilise pour les Jeux paralympiques. Une concertation a réuni autour du ministre de Sport et son collègue des Affaires sociales, PVH, le responsable du comité paralympique. Question de trouver des voies et moyens devra rendre compétitif les séjours des athlètes congolais à Paris. Il est aussi question d'équiper les athlètes congolais en équipement adapté. Les deux membres du gouvernement ont promis leur implication pour aboutir ces dossiers. Selon la vision du président de la République, il ne faut pas que quelqu'un soit laissé de côté, notamment les personnes avec handicap qui font le sport. Et moi, je remercie beaucoup son Excellence Didier Boudimbo parce qu'on a senti qu'il y a quelques années, la question du handisport n'était pas vraiment des sports. À part que lors de la francophonie, nous avons vu quand même quelques athlètes, quelques sportifs handicapés passer. Mais à part ça, vraiment, la question ne faisait pas vraiment débat comme une priorité lorsqu'on parle des disciplines sportives. Mais aujourd'hui, non seulement qu'il s'est impliqué lui-même, mais il a approché le ministre en charge des questions de personnes avec handicap. Et ce qui est encore plus important, c'est que nous avons même revu les conditions pour qu'il puisse partir dans les mêmes conditions que les autres sportifs. Il faut qu'on tienne compte des conditions spécifiques. Ce sont des sportifs, oui, mais ils ont des besoins spécifiques qui doivent être tenus en compte par le gouvernement pour qu'on puisse leur donner la chance et la possibilité d'aller et de remporter le prix parce que nous allons dans une compétition. Pour éviter des incidents malheureux du passé, le fonds seront versés directement dans les comptes des athlètes. Les acteurs œuvrant dans les secteurs de passation de marché public du Kasaï central étaient en formation de renforcement des capacités par une forte délégation des experts venus de Kinshasa. Suivez. Il s'agit d'un séminaire de renforcement des capacités en faveur d'acteurs évoluant dans les domaines de passation de marché public. Il est assuré par les experts venus de Kinshasa à qui s'est jointe la contribution locale. C'est le gouverneur de la province du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, qui a procédé au lancement des travaux en présence de quelques députés provinciaux, ministres et membres du cabinet. D'après José Magna, coordonnateur provincial des projets encore, ces assises de 8 jours visent à apporter des innovations dans le cadre des passations des marchés publics. Il y a des nouvelles dispositions qui sont déjà avancées et qui ne sont pas connues, appliquées par beaucoup de parties prenantes qui sont liés au marché public, particulièrement au niveau de la province du Kasaï central. On voulait qu'il y ait un échange d'expérience avec les experts de l'RMP qui sont venus pour essayer de donner des cas pratiques sur l'orientation de passation de marché public sous l'approche des contrôles a priori. Tout en rendant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de la commande publique, le numéro 1 de l'exécutif provincial a émis le vœu de voir ce séminaire mettre fin au cumul des tâches des services intervenants en la matière. Chers participants, cette présence témoigne sans nul doute de l'intérêt que vous accordez tous à cette activité. Je souhaite que les échanges se fassent dans un climat convivial, en toute sérénité, afin d'assurer les contrôles a priori de tout processus de passation de marché public, qu'il s'agisse de l'appel d'offres ou du gré à gré. Aussitôt terminé, cet atelier sera suivi du séminaire gouvernemental et du premier forum sur le dialogue fiscal avant les conférences budgétaires. Après sa réhabilitation par le nouveau comité de gestion, l'ISTEM Tshikapa est revêtu de sa plus belle robe. Hier, c'était le lancement des examens hors session pour toutes les filières, nous dit Franklin Kalumbo. Très respectueux des instructions académiques de l'année en cours, l'ISTEM Tshikapa démarre aujourd'hui les examens de la grande session. Avec le système LMD, nous avons des semestres. À la différence de l'ancien système, où il y avait trois sessions, c'est-à-dire
première session, ce que nous appelions mi session. Et grande session, c'est celle que nous sommes en train de présenter, puis la deuxième session. Et selon le calendrier académique, c'est le 16, on va clôturer l'année. Nous sommes totalement dans le délai. À 2 ans seulement, à la tête de cette institution d'enseignement supérieur de technique médicale du Kassai, comme DG, le professeur Bosco Tshitenge Tshamuyaya a un bilan qui parle. Ici chez nous au Kassai, le ministre Mouyi nous l'avait dit, beaucoup avaient construit des porcheries. Mais moi, je m'étais dit que je dois faire le contraire, je dois construire les bâtiments au standard normal. Et nous avons construit ces bâtiments administratifs, nous avons construit ces bâtiments de 3 auditoires. Et vous voyez, nous sommes en chantier avec un autre grand bâtiment de 7 auditoires avec les moyens propres, paiement des étudiants. J'ai trouvé l'ISTEM Tshikapa avec 3 professeurs. Aujourd'hui, l'ISTEM Tshikapa compte 12 professeurs à la place des 3 que j'avais trouvés. J'avais trouvé 25 chefs de travaux. Aujourd'hui, nous sommes 58 chefs de travaux. Notons que cette grande session.